Dame les tamoulés, tamoulés ananas, les dames de messieurs, venez danser. Dans une nouvelle vidéo haul de chez Action. C'est parti. Donc on commence par ce petit squishy chèvre, je crois. Il est trop mignon, il a les yeux jaunes et c'est un plushies. J'en ai plusieurs de cette collection, plus petit mais j'en ai plein et c'est un squishy qu'on peut aplatir. Il sent très bon, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est parce qu'il a encore l'odeur du Action, enfin du magasin, mais je sens qu'il sent un peu la framboise, donc je sais pas trop, on verra par les jours suivants. Donc j'adore, mais par contre il n'a pas marqué le vrai nom ni la date d'anniversaire. Donc je l'adore celui-là, je le trouve trop youpi. Je vais le mettre ici. Oh, il est trop mignon. Donc encore dans les squishy, celui-ci cette fois-ci. Donc là c'est un Squeezie Moss. C'est un petit chien tout carré. Donc j'adore, ils sont aussi. Et j'en ai plein comme ça. J'ai hâte de l'ajouter à ma collection. Mais sur celui-là aussi, je crois qu'il n'a pas marqué le nom et la date d'anniversaire. Non, il n'y a pas marqué dessus. Mais je l'adore. Ah, j'avais pas vu la petite queue. Pour ceux qui regardent Game Boy, on dirait un peu la queue de Darwin qu'il a derrière. Il a les petits yeux kawaii avec des petites étoiles. Oh, c'est trop mignon. Donc, il a aussi un petit collier tout rose. Trop mignon. Coucou. Comme ça. Il est petit, mais il est pas mal. J'adore. Il est trop, trop, trop chou. Donc, je vais poser là. Ah oui, et aussi, j'ai oublié de préciser, mais les deux, ils sont tout doux. C'est trop bien. Donc, ensuite, on continue par ça. On ne le voit pas très bien parce qu'en fait, c'est les trucs qui tient les doigts, comme tu mets comme ça, c'est pour ton téléphone, parce que plus tard, j'aurai un téléphone. Donc en fait, c'est un truc poupée LOL. C'est pour tenir le tel, parce que j'aurai un tel plus tard. Il est vraiment trop, trop classe. Voilà, regardez-moi ça. Oh, trop beau. Et donc derrière en fait t'as qu'à enlever ce petit truc et tu colles à ta coque et c'est bon. Voilà pour celui-ci. Maintenant on passe au suivant. C'est trop beau. Donc on passe au suivant. On passe à celui-là. En fait c'est une petite araignée. Donc c'est une Yelly. En fait c'est des petites araignées où quand tu cries à l'avance, en fait d'abord faut l'allumer bien sûr. Mais plus tu cries fort, plus elle avance. Elle est trop mignonne. Et moi, j'en ai déjà qu'une. Donc, celle-là, ça me fait la deuxième. Et elle s'appelle Toad. Toads, c'est écrit là. Donc, moi, je vous montre laquelle j'ai. J'ai celle-ci, déjà. Donc, j'ai déjà Wiggly Wiggle. Et donc, celle-là, c'est ce que je viens d'avoir. Donc, je vais l'enlever de son paquet. Le truc, c'est que j'ai peur de la casser. Oh là là. Donc voilà ma petite araignée, je l'ai enlevée de son petit paquet. Elle est trop choupie, je vais peut-être l'allumer. Elle va déjà marcher un petit peu. Je ne sais pas si ça va marcher là-dessus, on va essayer. Elle m'entend pas, elle est sourde, c'est une araignée sourde. Elle est bloquée.
Ah oui, je vois, je vois. Pourquoi tu as fait ça, c'est que je veux tourner. Là, je vais l'éteindre. Elle est trop choupie. Ah, regardez, elle est même ça. Là, si la lumière qui s'est passée, elle s'allume. Donc, vous voyez les yeux qui s'allument, les petites pattes qui tremblent. Et ça, ça s'allume dans le noir. Mais arrête! Voilà. Elle est trop mignonne. Je vais peut-être la FR. Parce qu'elle est orange. Ah. Donc maintenant on continue avec ça. Les poupées là. Donc dedans je sais pas trop ce qu'il y a. Je crois qu'il y a des bracelets ou alors peut-être un baume à lèvres avec un... On va voir, je vais l'ouvrir tout de suite. Tout de suite. Donc on commence par la première étoile. Je vais l'ouvrir avec vous. Ah ok. Donc bon, allez. Ah oui, c'est parce qu'il y a du... Il y a des... Donc voilà, la première. Je sais pas comment elle s'appelle, mais elle est trop classe. Et dedans, en fait, il y a des scotch et après, il faut les enlever. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, donc en fait, ça dépend. Soit elle a un bon modèle, soit elle a un bracelet. Donc pour celui-là, j'ai eu un petit baume à lèvres, je pense, je sais pas, dans un petit sachet rose, très beau, avec des petits nœuds. Et donc voilà le baume à lèvres, on va le sortir tout de suite. Il est à la myrtille, c'est écrit dessus. Ah, c'est bon. Donc en fait, il est à la myrtille, donc là, c'est écrit dessus. Donc on va l'ouvrir pour sentir. Je sais pas ce que... Ah oui, il sent un myrtille. Mais en fait, je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez pas très bien. Donc en fait, vous voyez qu'il y a une petite boule avec un trou au milieu. Donc en fait, t'appuies en mettant, tu fais ça. Donc voilà. C'est original. Il est classe. Donc je vais l'essayer. Donc, on va passer au deuxième. Donc là aussi, celui-là aussi, il y a une tête dessus. Celle-là, je l'ai en poupée LOL et en carte aussi, je crois. J'ai même le bébé. Donc elle, je l'ai en tout. En tout. Vous l'avez compris ça? En tout. Trop classe. Il est tout rose, il est comme l'autre. Voilà. Il sent le chewing-gum. Et j'adore son style, il est léopard. Bon, là on voit pas trop l'étiquette et tout. Il a le bouchon rose. C'est trop bien, j'adore. Je vais le mettre tous les jours. Enfin, je vais les mettre tous les jours. Parce qu'ils sont plusieurs. Ensuite, le dernier. Il y a cette tête. Toujours dans un petit sachet rose. Oh, ça sent trop le marché de Noël. Mais j'ai des goûts super bizarres. Le chewing-gum, il sent le chewing-gum. Et moi je croyais que c'était la vanille. Celui-là, il sent la vanille. Mais je trouve qu'il sent le marché de Noël. Bon. Ah oui. Ah oui, on sent après. Vous voyez le coller. Et mais après on sent bien la vanille. Ceci est vraiment formidable. Alors qu'est-ce que c'est d'après vous? Bah c'est une bouée. Oui, c'est une bouée géante pour la bisine. bien sûr, non. C'est une bouée poupée LOL. Elle a l'air bien grosse parce qu'elle est déjà un peu lourde. Elle fait ma taille en fait. Là, on vous la montre mieux là. Voilà, dans le rond. Elle est toute bleue. Elle est grande. Hein. Là, en fait, c'est tout ça. Mais là, vous la voyez petite. Mais elle est trop super grande. Elle est énorme. Oh, je l'adore. C'est normal. Et voilà, on la met derrière.
Donc maintenant, on a ces bretelles. Donc, ah si, oui, on voit aussi derrière. Donc des bretelles normales. C'est pour, c'est des bretelles arc-en-ciel pour mettre aux salopettes. Comme Joshua, pour mettre sur mes shorts et tout. Parce que je porte un short. On s'en fiche. Voilà, c'est trop beau. Bon, bah, je pense qu'on peut... Donc, il reste plus rien, donc je pense qu'on peut conclure cette vidéo. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. Et si les commentaires sont ouverts, bah, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. T'as moulé à nana, mesdames et messieurs, venez danser.